Première. Une première, pourquoi? Et là, une deuxième, une seconde et une troisième. Arpenter l'intervalle, je pense que dans la vie, on ne fait que ça, quoi. D'aller entre un point et un autre, quoi. Ça va de la naissance à la mort, c'est de la masculinité jusqu'à la féminité, ça va de l'idée d'un tableau à la réalisation du tableau, donc c'est tout le temps une histoire d'intervalle. Enfin, je pense que les relations humaines, elles sont toujours basées sur l'intervalle qui se réduit lorsqu'on connaît plus les personnes ou qui s'agrandit lorsqu'on les déteste, ou je sais pas quoi. Donc c'est toujours une histoire d'intervalle. Les points n'existent que parce qu'ils sous-entendent un intervalle à parcourir entre eux. C'est comme les étoiles, c'est comme le dessin des constellations. Vous dites, voilà, ça c'est la grande ourse, et vous apercevez que la grande ourse, c'est simplement des lignes qui sont entre des points. Quoi. Donc c'est une configuration des intervalles mis ensemble. Quoi. Un point tout seul, ça n'a aucune utilité. Quoi. De la même façon qu'un individu tout seul, ça n'a aucune utilité. Aucune nécessité, ce qui compte, c'est le groupe. Donc s'il y a groupe, il y a des intervalles qui sont les uns à côté des autres. Quoi. S'il y a des intervalles, il y a des connexions. Et s'il y a des connexions, il peut peut-être y avoir une conversation. Et s'il y a une conversation, on va se dire que ça va mieux, quoi. C'est tout, peut-être. Je ne sais pas, je pense qu'il manquerait tout ou il manquerait rien en même temps. Parce que toute ma pensée est là-dedans. Parce qu'il y a la pensée du groupe, la pensée de la connexion, etc. Et en même temps, c'est un tableau, quoi. Il est tout seul, là. Il est tout seul, donc il manque les autres tableaux qui ont accompagné ce tableau, ou il manque toutes les différentes propositions que je fais depuis, je sais pas, 35 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc il est à la fois autonome et en même temps, il fait partie d'un groupe qu'on ne voit pas, quoi, c'est tout. Ouais. De toute façon, il est marqué deux fois arpenter l'intervalle. Une fois, il est derrière, une fois, il est apparent. Après, il y a toujours les surfaces, comme ça, parce que pour moi, tout ça, c'est une surface, hein, c'est pas plus que ça. Et ensuite, il y a le dessin d'un rouleau compresseur. Hein. Le rouleau compresseur, c'est un peu aussi une image, donc c'est techniquement. C'est un engin qui sert à construire des routes, mais en même temps, idéologiquement, on va dire qu'on est quand même menacé par des rouleaux compresseurs politiques, religieux, etc. Quoi. Enfin, vous le savez que le chemin est plus important que le but. Hein. C'est en vieillissant, mais... donc j'ai l'impression. Mais le chemin, enfin, les buts, c'est pas... Quelquefois le but est très important, quelquefois le but, voilà, vous dites je vais faire un tableau, quoi. Ce qui m'émeut le plus, c'est les idées. Après la fabrication, simplement un état. Oui, c'est un état. Je suis en train de peindre, quoi. C'est comme si je fabriquais une table, quoi. C'est pareil. Exactement pareil. Pour que la table tienne, il faut quatre pieds, il faut bien les faire. Il faut que quand on la pose, elle ne bouge plus, tout ça. Donc c'est exactement pareil. Pour vous, une fois que les œuvres sont faites, elles sont plus à vous? Non, plus du tout. Non, elles ont leur, je sais pas quoi, leur chemin, quoi. Ouais. Vous avez un rapport affectif pendant non. Que vous les peignez ou pas du tout? Affectif, non. Je suis affectif avec des personnes, des objets, non. Non, il y a quelquefois il peut y avoir, je sais pas, des émotions comme ça. Je trouve un très beau rose ou un très beau. Ouais, j'aime bien ça. Je passe mon temps à. Je passe mon temps à ajuster les couleurs, quoi, c'est tout. J'aime bien ça. Comme un truc, un mécanicien qui ajuste le Delco, ou je sais pas quoi. J'aime beaucoup ça. C'est une surface sensible. Sensible. Pas affective.
Sensible. Sensible. Ouais. Organique. Sensuel. Sensuel. Ouais. Dans le rapport, et c'est quoi? C'est la couleur, la forme, le toucher? Tout. Tout. Tout en même temps. Ouais, tout en même temps. Et très lentement. Très, très doucement.